Alors j'espère que vous allez bien, car pour ma part ça va vraiment très très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve, je regarde si le son fonctionne bien parce que voilà, il y a quelques petits problèmes. Donc j'ai laissé Dael terminer plus ou moins son stream. Donc sur le planning vous avez vu que je faisais normalement du Hearthstone. Sauf que demain, le truc c'est que demain en fait, comme il y a le tournoi de la LOG, de la LOG, de la, oula, de la Vexing, Hearthstone. Donc du coup, on va pas faire de tournoi, on va pas faire de ladder. On fera ça plutôt, je pense, vendredi. Donc du coup, on va faire une série, ce sera un let's play, on va dire entre guillemets, en stream, qui sera disponible en VOD, donc sur YouTube, bien évidemment. On va faire donc du Cities Skyline. Voilà, faire du Cities of Skyline, donc un jeu qui est sorti il y a 3-4 mois, voire 5 mois à peu près. Donc maintenant qui vaut plus trop cher, hein, aux 15-20 euros maintenant. Quand il est sorti, il valait 40 euros. Moi je l'ai acheté le jour de sa sortie, le jeu. Donc là, faut savoir que je joue en fenêtré parce qu'en plein écran, je n'arrive pas à voir la source du jeu. Donc voilà. Donc c'était assez énervant. Donc j'ai dû mettre ça en fenêtré, pardon. Donc voilà, donc on va faire une nouvelle partie. Donc pour ceux qui savent pas ce qu'est Cities Skyline, donc c'est un jeu développé par Paradox. Donc qui est un peu dans la lignée des SimCity. Sauf que c'est un peu plus complexe que SimCity. Vous verrez. C'est vraiment plus complexe. Genre au début quand il est sorti, j'ai dû faire au moins 5 villes différentes pour pouvoir atteindre une ville assez fun à jouer. Donc attendez, vous avez le micro qui part en couille. Attendez, hein. Je fais ce que je peux, mais attendez, excusez-moi. Oula, ouais, là c'est voilà, là c'est mieux pour vous. Excusez-moi. Voilà, donc on va se lancer donc là-dessus. Donc on va prendre. Alors, il faut d'abord choisir une nouvelle partie parce que j'ai déjà des parties. J'ai déjà une partie, je crois. Deux parties. Donc, mais bon, ça c'est un peu ma partie perso. Donc là, on va vraiment faire une nouvelle partie. On va faire une. On va faire vraiment une. Un let's play dessus. Donc on va vraiment prendre un truc assez bien. Donc je vous déconseille déjà pour ceux qui voudraient, hein. Je vous déconseille déjà de jouer Valryve parce que Valryve il faut des ponts et c'est assez compliqué à jouer au début. Oula, j'ai perdu le son. C'est ah non, ça se coupe. Ah là là, mon micro c'est de pire en pire. Voilà, mon micro c'est de pire en pire, désolé. Donc cette vidéo donc sera vraiment en VOD. Donc ça, je sais que ça plaît. Donc on va commencer je pense par Grande Rivière. Seul problème c'est qu'on n'a pas de pétrole. Pas de pétrole. C'est ça le gros problème. Donc pour moi les meilleurs c'est Colline, Brumeuse, Grande Rivière, Plaine Verte. C'est vraiment les trois plus faciles. Baie de la Falaise c'est bien mais c'est assez compliqué à construire. Tout ce qui est après les sables, côte de diamant, etc. Ça c'est vraiment pour les constructions un peu plus. C'est pour les personnes un peu plus expérimentées. Donc voilà, c'est vraiment les trois que je préconise au début. Ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu, donc ça fait vraiment plaisir. Donc on va prendre Grande Rivière. Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas joué. J'ai pris un nom de ville. J'ai pas noté mon nom de ville que je voulais forcément. Donc voilà. Ce serait une sorte de petit let's play, donc je sais pas combien de temps je vais faire ça. Je pense que. On va d'abord voir une ville, faire une ville assez bien. Alors, vous expliquer un peu les débuts, ce qu'il faut faire pour pas trop tomber dans le piège. Pour pas tomber trop dans le piège des commencements. Alors, faut savoir que comme moi, quand j'ai acheté le jeu, j'avais mon ancien PC faisait tourner très très peu le jeu, genre il tournait à 15 FPS. Donc là, je peux vous dire que ça fait plaisir de le voir tourner à. Ah, c'était ça! Ah non, 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 faut prendre cette map là. Alors. Retirer ce que j'ai dit. Cette map là, faut surtout pas la prendre. Retirer ce que j'ai dit. Faut pas prendre cette map. Je pensais pas que c'était cette map. Par contre, je vais essayer de le faire jouer en fenêtré du coup.
Parce que vous, il y a des trucs que vous voyez pas. Il y a des trucs que je ne peux pas utiliser. Donc, je vais essayer de voir si je peux l'utiliser en plein écran. Est-ce que... Oui. Est-ce que vous l'avez en plein écran? Je vais vous dire ça de suite. Ouais, c'est bon, vous l'avez. Donc, on va prendre... Non, non, faut pas prendre Grande Rivière. J'ai oublié que c'était en plein milieu. Oui, effectivement. Donc, du coup, on va plutôt prendre Colline Brumeuse. On va prendre le nombre de villes. On va prendre... pas Vexing, parce que j'ai utilisé Vexing. On va quand même utiliser Vexing. Vexing Town. Vexing City. Hop, pas trop. Voilà, hop, c'est parti. Là, c'est la bonne cette fois-ci. On va voir ce que ça donne. Quand j'ai des baisses de co, ça c'est comme d'hab. Je sais pas pourquoi, mais c'est un peu comme d'habitude, malheureusement. Donc voilà, on commence là. Donc là, on a un bon petit truc. Donc là, pour commencer, faut faire des routes. Alors ça lag. Alors j'espère que pour la VOD, ça ne laggera pas trop. Ça revient, donc c'est bon. Attends, c'est pas un jeu online, hein, je préfère préciser. Faut quand même un compte Paradox, donc ça vous le créez quand vous faites le, quand vous achetez le jeu. Donc voilà à peu près. Edel City, nanana. Pas Edel City. Donc après c'est pas un jeu forcément en stream, c'est plus des jeux VOD, mais bon. Voilà, donc on va commencer. Alors premier conseil, mettre sur pause pour commencer à construire votre ville. Savoir que ça c'est vraiment le pilier, c'est-à-dire que vous perdez de l'argent si vous commencez, vous créez votre ville et que vous vous créez les bases et que vous continuez à laisser le chrono, vous perdez de l'argent. Donc faut commencer par créer la ville. Donc, alors faut savoir que l'eau est là. Donc créer sa ville la plus proche de l'eau. Sachant qu'on va faire ça. Ça, alors on va commencer un truc un petit peu basique. Alors moi, il y en a qui font pas comme ça. Moi je fais comme ça pour commencer. Ça, mettre l'eau. Alors faut mettre forcément une station de pompage d'eau. Vous voyez l'eau à... comment elle circule. Donc vraiment mettez-le le plus loin possible. Vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà. Mettre un conduit d'évacuation d'eau usée. Donc on le met ici. Et donc là on va les relier entre eux. Déjà pour commencer. Ensuite, donc on va d'abord mettre. Ensuite, donc là il y a les différentes zones. Donc on a les zones résidentielles, les zones commerciales, les zones industrielles. Là, vous avez une courbe avec trois. Je sais pas si vous les voyez, si vous les voyez. Avec trois courbes. Donc ça c'est la courbe résidentielle, la courbe commerciale, la courbe industrielle et bureau. Et ou bureau. Il faut pas que ces trois barres-là soient remplies. Donc là, on demande beaucoup de résidences. Donc on va mettre, pour commencer, beaucoup de résidences. Et quand vous créez des routes, vous avez des quadrillages. Vous pouvez mettre les zones. Alors ça, c'est des zones bloquées pour l'instant, qu'on ne peut pas utiliser pour l'instant. Donc voilà, donc les premières zones qu'il faut faire, c'est ça. Voilà, donc ça, c'est le premier truc à faire. Donc ça, on a déjà les zones résidentielles, où les gens pourront construire. L'eau, elle est là, mais elle n'est pas reliée. Donc ce qu'il faut faire, c'est avoir les conduits. Vous partez de la base, donc des conduits, et vous l'amenez là. Donc les trucs bleus, les ronds bleus, c'est où l'eau sera acheminée. Donc pour l'instant, ici. Et comme vous voyez, il y a deux conduits. Il y a un conduit eau, un conduit déchets. C'est le traitement de l'eau, des eaux usées. Et donc c'est pour avoir l'eau potable en fait. Donc ça, c'est fait. Donc ça, on a l'eau qui est installée sur la parcelle. On a l'eau qui est installée ici. Par contre, il faut du courant maintenant. Donc le courant, il faut installer une centrale à charbon pour l'instant. Les centrales au fioul, centrales électriques, c'est pas encore maintenant. Donc les centrales au fioul. Donc il faut créer pour ça une zone un peu plus lointaine, mais proche de l'eau quand même. Plus ou moins, donc on va créer par exemple comme ça, et on va créer hop 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 par exemple. Donc on va mettre la centrale la plus proche de l'eau, donc ici. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il va falloir quand même
générer de l'électricité, de l'eau, pardon, ouais, de l'électricité pour ça, parce que ça fonctionne pas sans électricité. Donc là, on va devoir prendre les poteaux électriques et le mettre là. Et toute la zone, toute cette zone-là où c'est bleu, c'est-à-dire que c'est là où on peut mettre de l'électricité, où l'électricité tourne. Donc voilà, donc là, et après, il faut mettre de l'électricité, bien évidemment, sur les côtés des routes, plus ou moins. Voilà. Alors, au début, ça coûte cher, hein, mais après, vous êtes tranquille. Donc, ça, c'est vraiment les bases qu'il faut faire. Hop, hop, voilà. Donc là, il vous reste plus que 10 000. Vous avez fait ben, l'essentiel. Donc là, on peut couper. Donc vous allez voir, regardez. Je vais vous montrer étape par étape. Donc là, les pylônes vont devenir bleus. Donc là, c'est assez bleu. C'est-à-dire que ça, c'est actif. Là, c'est pas bleu parce qu'en fait, je les ai pas reliés entre eux. J'étais un peu bête. Si, ça y est. Si, les deux sont reliés entre eux. Donc là, tous les pylônes sont bleus, c'est-à-dire que l'électricité est possible. Donc au niveau du budget, par contre, on va baisser l'électricité assez basse et l'eau très basse aussi, parce que pour l'instant, on n'aura pas assez de mes trucs. Avec l'électricité, plus on met de budget, plus ça va tourner. Plus ça va tourner là. Plus il y aura de débit. Donc là, il n'y a pas besoin de début de beaucoup de débit. Donc ça, c'est l'électricité. Donc là, les maisons commencent à s'implanter. On peut aller plus vite, hein, mais bon, pour l'instant, je vais vous laisser normalement comme ça. Donc l'électricité, donc là, tourne tout autour de la ville. Plus ou moins. Voilà, tout autour des parcelles pour l'instant. Et l'eau. L'eau, pour l'instant, voilà, ça tourne tout autour aussi. Donc là, il manque pas d'eau, il manque pas d'électricité pour l'instant. Donc par contre, ouais, la physique est vraiment bien faite, par contre. Vous remarquez, voilà. Alors moi, avant, comme je dis, faut voir, par contre, faut avoir vraiment un gros PC pour vraiment une config assez pas mal quand même. Parce que si vous n'avez pas une bonne config, vous ne pourrez pas faire tourner le jeu. Je préfère vous dire, et encore là, je suis en high. Donc je suis vraiment tout en élevé, ça rame encore un tout petit peu. Je peux vous assurer que même en low. Après, c'est jouable, mais il faut vraiment être sûr, quoi. Donc pour l'instant, on perd de l'argent, ce qui est complètement normal. Parce que forcément, on fait payer un peu tout. Et les taxes, on ne peut pas encore mettre des impôts. Pour en mettre que par la suite. Poursuivre votre consommation, donc là, vous avez regardé 1 MW d'utilisation pour 18 pouces de production électrique, donc ça coûte encore un peu cher. Donc en fait, il faudrait vraiment baisser au début. Genre, voilà quoi. Genre comme ça, et quand ça va venir, plus ça vient, plus vous montez. Ça vous évite de perdre de l'argent. Et puis voilà. Donc au début, il n'y a besoin que de ça pour l'instant. Bon, regardez, là, il cherche des commerces. Donc on va mettre des commerces. On va en mettre genre là et là. Il faut vraiment que ces trois barres-là restent le plus bas possible. Donc on va accélérer un petit peu. Donc vous pouvez jouer avec les ZQSD, etc. pour déplacer la caméra. Mais je vous conseille pas, moi, pour le temps, vous pouvez appuyer sur 1, 2, 3, espace pour le stopper et revenir sur 1 pour aller normal. Mais bon, là on va mettre à 3 pour quand même aller un peu plus vite. Donc là les commerces commencent à se créer. On va quand même mettre des entreprises pour savoir que c'est pas payant. Mettre des parcelles comme ça, là, les zones, ce n'est pas payant, c'est complètement gratuit. Donc par exemple, là, regardez, on va stopper, l'eau ne passe pas là. Donc du coup, ils sont en manque d'eau. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'on relie tout ça. C'est vraiment important de relier, hein. Si vous reliez pas, ça va être un problème d'eau. Regardez, là, voilà, et l'eau et les traitements usés passent, et ça passe impeccable. Vous n'avez plus que 2 000. J'ai plus que 2 000, mais voilà, la ville va commencer à se créer, etc. Là, c'est les infos et tout, savoir s'ils sont contents, l'électricité, ce que ça donne, l'eau, ce que ça donne, le vent, où est le vent généralement, et ça, c'est le trafic. Voilà, routier. Parce qu'il y a des moments, il faut faire des routes à 3 voies, mais bon, ça, je suis pas trop fan perso. Mais bon, voilà, et le but, c'est faire vraiment sa ville. Alors, moi, j'ai jamais réussi à faire vraiment une belle ville, je fais une ville un peu à l'arrache. Mais bon, là, on va essayer vraiment de faire une belle ville. Donc là, regardez. Il ne manque plus trop de commerce, que des commerces, il y en a assez. De l'industrie, on commence plus à en avoir, et voilà. Donc ça se passe bien, je suis en positif, je gagne de l'argent. J'en perds pas, j'en gagne. Et puis voilà. Donc ça, c'est cool. Donc là, on avance. T'as pas le droit de parler, on t'entend pas, il n'y a pas de son de jeu. Si. Vos oreilles.
vos oreilles. Voilà. Voilà, j'ai défoncé vos oreilles, j'en suis désolé. Donc voilà, donc je disais, voilà. Là, des résidences, bon là, ils sont en train d'en créer, c'est juste que là, ça met du temps. Donc là, on gagne de l'argent. Faut voir que l'électricité, pour l'instant, on a 8. Voilà, félicitations, petit amour, on a atteint une population de 440. Désolé pour le micro, hein, c'est bon. Regardez, IPR, la série qu'il a faite. Ouais, mais bon, j'ai joué avant que lui, il y joue. Moi, ouais, tout simplement. Après, je dis pas que c'est, j'ai fait ces trucs avant lui, loin de là. Mais même, j'ai pas trop regardé sa série, parce que je voulais vraiment pas. Je voulais vraiment faire mes trucs à moi-même et pas m'inspirer des gens. Donc, là, ça s'est stoppé. Donc, là, on a fait 440 abonnés. 440 personnes. On gagne une prime de 23 000. Donc là, faut voir que l'électricité commence à être à manquer, l'eau non. Les déchets. Alors là, on va pouvoir commencer à mettre des trucs à déchets. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut tout de suite mettre les centrales poubelles. Et donc là, il faut regarder quand vous posez le trafic qu'il peut faire. Donc pour l'instant, là, on met là, au niveau des industries. Parce que pour moi, c'est l'essentiel. Et mettre une caserne de pompiers, c'est ultra important. Donc on va la mettre au niveau des. Voilà, au niveau d'ici. Au niveau des magasins. Voilà. Donc là, on avance. Donc là, les poubelles vont passer, etc. Donc ça sera un peu mieux. Il y en a une caserne de pompiers qui est ici. Ah non, c'est une clinique, pardon. C'est les pompiers, ça après. Là, on peut faire l'éducation aussi, mais je l'ai pas fait. C'est combien? C'est 20 000, je crois. C'est 10 000. On va tenter de gagner encore un peu d'argent. Par contre, là, on commence à pas en perte, pardon. Donc là, 9. Pour l'instant, c'est bon. Les os, c'est bon. Alors ça, on va diminuer aussi. Faut penser à chaque fois que vous achetez un truc de diminuer le pourcentage. Parce que pour l'instant, ça sert pas à grand-chose et ça coûte très très cher. Donc vous perdez de l'argent en fait. C'est vraiment important. C'est vraiment très très important. Au début, c'est vraiment. Vous avez une petite ville, donc ça sert à rien de mettre les trucs, les données au max. Ça sert vraiment strictement à rien. Faut vraiment essayer de stabiliser son argent. Il y a que là, en fait, je vais essayer d'acheter après l'école. On va mettre en face pour vraiment. Vraiment faire. Après, il y a des patchs qui sont pas forcément arrivés. Mais bon. Je demande un remboursement pour mes oreilles. Désolé, hein, franchement, vraiment désolé. Je pensais pas que ça allait faire. Donc là, regardez, là, j'attends mon argent qui devrait arriver pour construire l'école. Parce que ça, c'est vraiment important. L'éducation, ça va vraiment être important pour la vie de la ville. Voilà, là, on peut l'acheter. Voilà. Et alors, quand c'est rouge, alors quand vous choisissez quelque chose, truc, c'est que si c'est rouge, ça veut dire que les gens ne sont pas à l'école. Enfin, les gens ne sont pas à l'école. Il est éligible, et voilà. Donc là, c'est un peu mieux. Au niveau d'électricité, on en est où? On va devoir augmenter un petit peu l'électricité. Après, au lieu d'augmenter l'électricité, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter des centrales, mais j'estime que ça coûte assez cher pour ce que c'est. Donc là, non, on passe à 15. On passe à un petit 15. On peut même encore augmenter un tout petit peu. Genre à 70%. Niveau de l'eau, on est bien. Tant que ça ne baisse pas l'eau, c'est bon. Les déchets, bon pour l'instant ça ne sert pas trop. Santé, on est vraiment en santé à fond. Le vent, bon voilà. Il faut vraiment souvent regarder ces statistiques-là, parce que c'est vraiment important. Aide du conseil, il va falloir que j'enlève ces aides. Donc là, pour l'instant, la ville se déroule bien. Donc voilà. Pourquoi alors? Pour ceux qui se posent la question, pourquoi ça? Parce qu'en fait. Là pour l'instant c'est pas trop pollué, mais en fait l'eau là va être polluée en fait à partir du traitement des déchets, traitement des eaux usées, là ça va être pollué, ça va être rouge par la suite. Pour ça qu'il faut vraiment le mettre le plus loin possible. Comme ça après quand si vous voulez remettre une centrale, vous remettez une centrale et ça vous coûte vraiment pas cher en fait. Donc voilà. Là, les eaux usées commencent à descendre. Vous pouvez remarquer. Ça commence à descendre. Donc là, ça veut dire que ça commence à pomper un peu plus, qu'il commence à y avoir des gens. Donc on va commencer à augmenter tout ce qui est taxes, etc. Donc voilà, population de 900. Donc là, on va mettre sur pause. Donc là, ce qu'on a le droit de faire. On a le droit de faire des prêts. Au cas où, si on a besoin d'argent, on fait un prêt. Alors je vous conseille pas ces deux prêts-là. C'est extrêmement cher et c'est très dur à rembourser. C'est vraiment si vous êtes vraiment dans la merde et que vous pouvez éventuellement remonter votre ville. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment la première ville.
C'est vraiment la première ville. Le premier prêt, c'est facile à rembourser, etc. Les impôts, donc au début, on va pas mettre des gros impôts, on va mettre vraiment tout 8%. Ça, c'est vraiment important. Au moins, ça fera venir du monde et pas cher. L'eau, on va commencer à augmenter son pourcentage. Et alors, les pompiers et la police, on va vraiment les mettre bas aussi. L'éducation, on va l'augmenter un petit peu. Et les buildings, pour l'instant, ça sert à rien. Donc, les mains, 50%. Donc, au niveau, on va mettre la police. La mettre en ville, la police. Généralement, en ville, c'est beaucoup mieux. Voilà. Et au moins, c'est beaucoup mieux. Les pompiers, idem. Essayez de les mettre les vraiment assez près de la ville. Histoire qu'il n'y ait pas trop de problèmes. Genre ici, voilà. Il n'y a pas trop de problèmes, mais voilà. Ça s'arrête là, ici, ils n'auront pas pour l'instant, mais bon. Donc voilà. Donc, on peut continuer. Donc maintenant, on peut agrandir. C'est pas forcément utile pour l'instant. Moi, je vous conseille vraiment de commencer par créer votre petite ville vite fait. Et après, voilà. Donc ici, pour l'instant, il n'y a rien. On va essayer de mettre des habitants. On va essayer de mettre des habitants, parce que c'est un peu ce qui manque. On va mettre des habitants ici uniquement. Voilà. Donc là, on va voir. Donc plus d'options, on a les zones. Alors maintenant, on peut faire carré par carré. Bon, ça, c'est un peu bête, je trouve. Ça, c'est bien de notre côté, mais bon. Voilà, donc là l'argent monte. On regarde si. Ah, là ça commence à être un peu en panne. Donc là on va. Alors, l'électricité, ça va vraiment être votre pire ennemi ici. Hein. C'est-à-dire que l'électricité, c'est le truc qui a coûté vraiment le plus cher. Le plus cher. On peut faire des politiques, donc consommation d'énergie, la consommation. Donc là, c'est les politiques de la ville, un peu les principes. Genre, on peut demander aux gens la consommation d'énergie. La réduction modérée, c'est 5 euros par bâtiment d'entretien, donc c'est un peu chaud pour l'éducation. Donc pour l'instant, faut pas mettre politique de la ville, c'est un petit peu chiant de mettre ça pour l'instant. On va pouvoir recréer après des nouvelles routes, pour la simple et bonne raison ben, qu'après ça va être un peu limité là en termes de. Donc les quartiers, je suis pas trop fan de ça. J'ai pas encore trouvé un intérêt premier au quartier, donc. Celui qui trouve ça, on n'est pas la chicha. Je sais pas pourquoi tu dis ça, je sais pas. Donc voilà, donc là on a 1000, on a plus de 2000. Donc là on est en positif, sauf que ça c'est assez rare au début. Faut vraiment être positif au début, si vous êtes en négatif, faut pas quoi. Donc là l'élémentaire, quand l'élémentaire, faut en remettre une. Dès qu'on pourra. Créer une petite route juste pour ça, genre comme ça. Ah, ça sera pas inhabituel de détruire des maisons pour construire des routes. Hein. Je préfère vous le dire. Donc faut faire hein, ça. Et genre le truc on le mettra ici pour toute la ville. Donc voilà. Voilà, ça c'est un peu les courbes, les ponts, etc. Mais bon les ponts j'aime pas trop. Après c'est vraiment des événements un peu importants du gameplay. Donc là on va mettre encore des boutiques parce qu'ils en demandent. Parce qu'après le problème c'est que les trucs voilà vont demander des travailleurs, qui vont demander des emplois, qui vont demander des diplômes qualifiés, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre des écoles un peu partout. Et puis voilà. Donc là, par contre, pour commencer vraiment à augmenter la population, c'est vraiment important, on va monter en 3. Faut vraiment surveiller l'électricité, l'eau c'est bon, ça c'est bon. La décharge, c'est bon. Les parcs aussi, c'est important. Mais bon, pour l'instant, on va pas mettre ça en place. Au niveau des parcs. Pour l'instant, on va faire ça. Puis voilà, donc là, l'économie commence à monter un tout petit peu. On va peut-être augmenter peut-être les impôts d'1%. 9%, 9%, 9% pour tout le monde. Histoire qu'on gagne un peu plus de pognon. Il faut vraiment vérifier l'électricité, en fait. Voilà. L'électricité, l'augmenter peut-être encore un tout petit peu. L'électricité, éviter de le faire monter trop en fait en pourcentage, parce qu'après ça coûte vraiment trop cher. Après il y a les éoliennes. Après ça fait du bruit. Les gens se plaignent que ça fasse du bruit. Donc dans certaines cités, mettre les éoliennes, c'est pas mal. Là en gros on gagne vraiment de l'argent. En termes d'eau, c'est bon aussi pour l'instant. Mais juste avec ça, on peut gagner déjà beaucoup d'argent, beaucoup d'habitants. Et donc là par exemple là on est à 15. En fait ça veut dire qu'il faut refaire des endroits où les gens peuvent habiter. Parce que
sinon, bah, force, vous allez voir le résultat, c'est quoi là, on peut plus gagner d'habitants. Voilà. Donc là, on remplace la recherche des maisons. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est recréer une route. Alors, généralement, à côté de trucs qui existent, ça serait mieux avec hop, 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 hop. Voilà. Après, le bruit, ils s'en plaindront pas forcément. Et donc, en fait, là, faudrait le mieux, c'est faire ces trucs de ce genre-là avec des liaisons. Voilà. Où là, on va créer vraiment des maisons, un petit peu de boutique. Et voilà, pour l'instant, voilà à peu près ce qu'on peut faire. Alors là, par contre, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas d'électricité du tout, en fait. Donc là, il va falloir vraiment enrichir ça en électricité quand même. Voilà, genre comme ça. Je sais pas si derrière ça va prendre en électricité, je sais pas. À voir. Ah oui, l'eau. L'eau, là, va être masse importante. J'ai pas assez d'argent. Voilà, 1400. Donc là, on va mettre sur pause. Donc, juste faire ça. Couper le conduit. Voilà. Après, normalement, ça marche. Normalement, ça s'arrête là, l'eau. Pourquoi ça s'arrêterait pas? Voilà. Donc ça s'arrête là, donc. Encore un micro? Non, c'est bon. Oui, envoyez Godzilla. Non, ça va le micro. Vous voyez bien ce que je vois, ça c'est cool. Donc, non, le micro, ça a l'air de marcher, écoute. Ouais, c'est bon, bon. Non, non, c'est pas bon. J'en ai marre, c'est trop vivement que je change. Voilà, vivement que je change ce micro. Il serait peut-être temps. Donc, désolé pour le stream si vous entendez vraiment le micro bugger et tout. Donc ça, les nouveaux services. Donc ça, la grande roue, par exemple. London High. Il faut construire deux exemples de l'aéroport. Et on pourra l'avoir. Par contre, ouais, ça coûte très très cher. Donc, là, on a dit qu'on allait poser peut-être un collège, on peut pas encore. Donc peut-être une école, une deuxième école élémentaire éventuellement. Ici. Par contre, l'électricité, par contre, ici. Non, c'est bon. Ça a l'air d'être bon. Je suis content, voilà, c'est bon. Donc, 11 000. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 11 000 euros? Donc là, on peut avoir les parcs. Alors les parcs vraiment très très importants, j'estime. Faut pas vous mettre forcément un gros parc, mais je trouve que c'est cool. C'est vachement cool les parcs et ça rend vraiment la ville vraiment contente. Donc hop, l'électricité on va la relier à ici, voilà. Et voilà, donc là on fait tourner. Donc voilà, on a installé un parc. Alors je vois pas où il est le parc, par contre il est là. Là, il est en construction. Et donc voilà. Donc là on commence à construire sa petite ville. Donc là je sais que ça fait moche, mais on s'en fout, on n'est pas là pour l'esthétisme. Alors, il recherche un petit peu quand même de d'industrie, donc on va en refaire. Ici ça n'avait pas été utilisé. Et c'était fait exprès. Au niveau de l'électricité, on commence à être un petit peu en rab. Donc on va monter. Faut jamais monter ça à 100%. Et l'eau, on va commencer un peu à la monter aussi. L'éducation, on va monter. Les parcs, on va la diminuer par contre beaucoup. La police, etc. Voilà. Les soins, quand on aura besoin. Voilà. Au niveau électricité, on doit être bien. Niveau eau, ça va. Niveau déchets, ça va. Ça, c'est bien des parties pichées. Les santé, il n'y a pas encore une mort, donc ça va. Niveau, hop. Le trafic, ouais, il est assez mouvementé ici, mais c'est pas grave. La pollution, c'est pollué juste là. La pollution de l'eau, ça c'est important. Elle n'est pas encore trop polluée, donc ça va. Le taux de criminalité est très bas. On n'a pas encore les bus, ça va être bien aussi les bus. Ça c'est cool les bus, mais il faut. Faut savoir organiser ça, quoi. Ouais, c'est ça. Elle est pas belle, tu vois.
Après, la qualité, je sais pas ce que ça donne. Ça doit pas être non plus être la plus belle qualité de stream du monde. Mais malheureusement, c'est que ben, je n'ai pas non plus la co pour stream vraiment en full HD ce jeu. Donc, déjà, je l'ai mis en high exprès. Normalement, je le joue en. Tous mes jeux en low, faut savoir. Mais là, je l'ai joué en high pour la simple et bonne raison. Pour que vous ayez quand même un minimum meilleure qualité. Donc, voilà, je veux une ville en tub. La prochaine ville peut-être ou un prochain truc. Pour ça, là, l'erreur première, ce serait d'acheter une extension tout de suite en fait là. Ce serait une erreur. Parce qu'il faut vraiment développer d'abord ça pour après faire une ville. Parce que si vous développez pas ce qu'il faut avant, c'est assez compliqué. Donc là, on va remettre ça. Dès que vous êtes plein, quoi que ce soit, que vous avez plus de place pour faire, là d'accord, mais pas avant. Jamais avant. Donc là, regardez, là on n'est pas en déficit du tout. Notre ville, elle tourne bien. On est bien, tranquille. Donc voilà. Là, ça avance. Toujours vérifier. Alors, si vous voulez pas vérifier l'électricité ici, vous pouvez la vérifier directement en faisant ça. C'est un peu mieux et c'est mieux. Donc, eau. L'eau, c'est bon. Les déchets, pour l'instant, c'est bon. La santé, c'est bon. Bon, même si je pense qu'il va falloir remettre un truc là. Et je pense qu'on va le faire. On va le faire. La prochaine, c'est un collège qu'il faut mettre. Mettre un collège, c'est différent. C'est 24 000, mais bon. Donc là, on est bien. On gagne des habitants. Ça tourne bien. On n'a pas trop de problèmes pour l'instant. L'électricité, alors. Pour l'électricité, au cas où vous pouvez remettre une deuxième. Ah, ça brûle. Ça a brûlé, donc hop, faut détruire. Alors quand les bâtiments brûlent, faut les détruire tout de suite. Parce que hein, ça vous fait pas perdre de l'argent. Ça vous fait. Pardon, les trucs brûlés, ça vous fait perdre de l'argent en fait. Ça, faut en mettre par exemple une caserne de pompiers très proche de là en fait. Mon micro bug encore. Non, ça me dit que c'est bon. J'ai pas de problème de micro, hein. Mais j'ai pas de problème. Faut pas vous entendre un problème en fait. Mais attendez, je vais écouter mon stream. Qui sait, je vais avoir les oreilles mortes. Mais pour moi, j'ai pas de problème, hein. Attendez. Peut-être stopper peut-être ça. Mais j'ai pas de problème. Faut pas vous entendre un problème en fait. Mais attendez, je vais écouter mon stream. Je sais pas où vous voyez le problème, mais bon. Je sais pas. Je sais pas du tout. Bon, soit. On continue. Donc. Au cas où pour la VOD, désolé pour le micro, mais bon, j'y peux rien. C'est pas ma faute. Vivement que je le change, ce micro. Ce qui n'est pas forcément bon en ce moment. Peut-être faire ça avant. Donc, là, il recherche. Donc, le bonheur est bas. Alors, on va recréer des parcs. Il va être content. Des gros parcs. C'est 5 000 le parc. Voilà. Donc là, on a recréé un parc. Les gens vont être contents. Alors, ça me fait chier là-bas, mais bon. Donc là, il faut recréer des emplacements. Là, vous voyez. Donc là, par exemple, on va détruire. Il y a une ville qui va partir bah, en éclats. Donc, hop, hop. Non, au contraire, je veux pas les détruire. Il n'y a pas besoin de les détruire. Hop et hop. Et là, on va mettre tac 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 tac. Voilà. Donc, là, il y a des maisons pour y habiter. Moi, là, on est sûr. Là, d'accord, le micro. Là, j'étais OK. Parce que je switch. Excusez-moi vraiment pour le micro. Mon micro est vraiment nul. Donc voilà. Dunk dunk. Non, c'est pas ça, c'est ça. Donc là, les gens arrivent. Alors oui, il va falloir mettre de l'eau, évidemment. Sinon, c'est assez compliqué. Hop, hop. Et hop. Donc, niveau électricité. Alors, eau, on est bon. Électricité, il commence à manquer d'électricité. Donc là, on va commencer, je pense, à
instaurer à... On va mettre ça à 4, à 103%. L'eau va l'augmenter un peu. Et là, je pense qu'après, on va commencer à investir dans un nouveau... Commencer à investir dans un nouveau... comment dire? Dans une nouvelle centrale, hein, je pense. Parce que là, l'électricité, ils en demandent beaucoup. Ils en demandent beaucoup trop, même. Donc là, en fait, l'erreur, ça serait de faire ça. Là, j'ai pas trop le choix pour l'instant, mais il faudra la baisser dès que ça sera passé. Parce que là, je suis obligé de faire ça pour au moins monter. Les gens sont contents. Ah oui, j'ai oublié de mettre ça. Hop. Et hop. 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 Alors là, pourquoi j'en ai pas mis? Parce que là, je vais mettre la centrale, en fait. Plus tard, je mettrai la centrale. On va augmenter les impôts. On va les mettre à 10%. À 10%. Alors, faut pas monter brut. Parce que sinon, les gens vont s'en rendre compte. Et bah là, ça, c'est chiant. Sera réellement assez chiant. Donc là on attend que ça se passe plus ou moins. En termes d'eau, électricité ça va, on est moyen. Eau ça va, les décharges c'est bon. L'école on est moyen, ça va. Ok, là on, voilà c'est bon. On n'a pas encore de mort. Non ça va, on n'a pas encore de mort. Ça serait con d'en avoir maintenant. Le d'accord voilà. L'agglomération donc. Là maintenant, ce qu'on va faire. Oui, il faut de l'eau absolument, c'est vrai. Je voulais juste faire ça. Voilà, hop. Donc, ouais. Donc, ce qu'il faut faire. Faudra de l'électricité aussi, je pense. T'en es où là, niveau de terme d'électricité? Non, ça sera bon. Donc, là, ce qu'il faut faire, c'est remettre une centrale absolument. Ça va vraiment être vraiment important en fait. Alors. Faut savoir que les centrales, là maintenant, elles vont fonctionner à deux. C'est-à-dire que là, en fait, maintenant, en fait, si je mets start, la consommation va être full. Voilà. Donc là, il n'y a vraiment plus besoin d'autant de budget. Là, on peut le mettre à 90%, je pense. Ça sera largement suffisant. Voilà. C'est largement suffisant. Donc, et que vous mettez celui-là, donc ce poteau-là sur celui-là ou sur celui-là, ça revient à la même, c'est ça revient au même, à la même chose. Les deux génèrent la même électricité. C'est pas indépendant. C'est pareil pour l'eau. Hein. L'eau, par contre, elle est pas très polluée. Je constate, c'est pas encore trop rouge, ça va. Bah, c'y est pas encore. Donc là, l'eau s'est rétablie, l'eau. Ah, c'est pas mis. C'est pas relié avec l'eau basique, je crois. Voilà, là c'est relié. Donc là, ça va tourner. Voilà, là ils ont de l'eau. Ils peuvent fonctionner sans problème. Ah, là on a un petit problème d'eau, voilà. Donc, niveau de l'eau, on est là. Niveau électricité, on est bon. Ils en demandent encore pas mal, mais bon, c'est bon. Les déchets, pour l'instant, un, c'est juste suffisant. Pas besoin de 36 000. Ah, je vais peut-être couper mon stream parce que ça doit bugger. Non, pas du tout. Pas besoin de plus de choses. Pas besoin de plus. Le collège, absolument. C'est un truc qu'il faut instaurer absolument. Donc le collège, on le met là. Voilà. C'est vraiment important. Les lignes de bus. Ah, alors là, ça c'est bien, ça. Alors ça c'est bien. Ça, le problème des lignes de bus, c'est que bah, faut bien les faire en fait. Si vous les faites mal, ça passera pas. Donc t'as les bus, t'as les tramways, t'auras le métro par la suite. Etc. etc. Donc là on est bien. Niveau criminalité, on n'est pas trop fort. Les transports, on s'en fout pour l'instant. Alors, les transports baissés absolument du coup. Les transports baissés à zéro pour l'instant. Il y a un incendie? Non, il n'y a rien. Bon, c'est pas grave. Recruter des routes, construire des routes et des trucs à proximité. Donc, là on gagne notre truc, on gagne notre vie, tout va bien pour l'instant. On n'est pas trop.
C'est pas trop dur. Alors faut savoir que du coup ça sera tous les semaines. Parce que là, demain par exemple, demain c'est le tournoi Hearthstone, jeudi je vous ferai autre chose et vendredi je ferai du Hearthstone. Donc ça je ferai une fois par semaine pour parce que après c'est un peu rengaine aussi, créer sa ville. C'est un petit peu rengaine. Donc c'est pour éviter que ça soit un peu trop rengaine. Même si ça reste un let's play, ce sera un let's play semestriel. Ce sera toutes les semaines un nouveau let's play, un nouveau épisode de let's play, donc sur la chaîne Vexing TV. Donc sur ah là je pense qu'on voit déjà l'eau qui commence déjà à être un peu polluée. Je pense que vous commencez à la voir, l'atténuation de l'eau. Donc où que ça sera sur la Vexing TV bien évidemment. Donc sur la page YouTube, sur la chaîne YouTube pardon. Donc bon pour l'instant écoutez ça tourne. Pour l'instant il n'y a pas trop de problèmes à déclarer. Ça va, ça tourne bien. Là on va y avoir des habitations etc. Donc là pour l'instant ça c'est le départ d'une ça c'est le départ d'une bonne ville. Donc là c'est vraiment une bonne ville. Hein. On démarre bien, etc. Côté électricité, ouais, elle touche bien là aussi. Électricité qu'ils en demandent toujours beaucoup plus. Donc voilà, donc maintenant regardez, là ils commencent à demander des choses qualifiées, des personnes qualifiées, pas assez d'employés. Donc ils demandent aussi des employés qualifiés, etc. Donc le prochain truc à débloquer, c'est population de 5000. 5000, on a 2003, on a 3000. Donc là, ça risque d'être un peu plus quand même compliqué. Alors évitez de faire des maisons dans ces eaux-là. Ah, on a un mort. Un mort attend à être transporté. Ah. Donc là, par exemple, le mort. Alors, on n'a pas encore de service mortuaire. Ah, si on a un cimetière. On a juste un cimetière qu'on va devoir construire par contre du coup. Donc on va créer une route exprès juste, exprès pour. Alors là il y a moyen. En cherchant un peu, il y a moyen je pense de pas détruire quelque chose. Voilà. Où là on va juste créer le cimetière. Voilà. Donc ça c'est le cimetière. Bon, ils sont contents pour un cimetière, bon. Ouais. Je savais pas qu'on pouvait être aussi heureux pour un cimetière. Mais bon. Ouais, ça tourne, là, on est bien. On est bien, on est bien, on est bien. Ah, il faut juste de l'eau, oui, effectivement. Parce que de l'eau, pas d'eau dans un cimetière, c'est assez compliqué. Hop, on va juste faire ça. Voilà. Donc en termes d'électricité, on est bien. En termes d'eau, ça va. Il va falloir remettre juste un truc d'eau. Un bâtiment brûlé. Ah, c'était pas ça. Si, c'était ça. Ah, voilà aussi. Alors, est-ce qu'ils apparemment ils ont patché le truc? Non, c'est bon. Alors, je veux juste. Fonctionne normalement. Bah, ça marche bien. Pour l'instant, ma ville tourne bien. Assez content, je gagne de l'argent en plus. Donc, poubelle passe, là il y a le cimetière. C'est quoi ça? C'est que ça a brûlé? Ah non, c'est les poubelles. Alors en termes de trafic, voilà, c'est vraiment chaud là-haut, mais sinon c'est bon. Il demande des maisons. Alors là, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que l'Argadon a presque tout pris. Donc là, on va remonter là, par contre. Après, il va falloir prendre une autre route et on prendra là. Parce que l'eau, c'est bien, mais là, il faudrait faire un pont. Et les ponts, je crois. Alors, ça se fait comment? Ça se fait comme ça, les ponts? C'est quoi ça? Grand rond-point. Rond-point. Intersection à trois voies. Non, je veux des ponts. Les routes. Comment on fait des ponts? Améliorer route. Non. C'est quoi ça? Route courbée. Route de forme libre. Bon, je sais pas comment on fait des ponts. Je ne sais jamais comment on fait des ponts. Est-ce qu'il faut pas. Je crois qu'il faut les monter, mais je sais plus comment. Bon, soit on prendra là-bas. On aura de l'eau là, on circulera, on se débrouillera. Ne vous inquiétez pas. Donc là, vous voyez l'eau. Hein. Là, on voit toujours pas, c'est fou. J'adore ce jeu. Donc attendez. Voilà, hop, c'est bon. C'est bon, voilà, on peut relancer. Donc là, il demande des maisons. Donc là, on va construire. Alors là, il va falloir détruire des maisons. Par contre, c'est à deux voies. Je veux qu'à une voie.
direct. Voilà. Ah, je vais se faire ça. Alors, c'est moche, hein, je sais bien. Après, je suis pas là pour faire des trucs jolis. À la base. Donc voilà. Je pense que c'est suffisant. Je pense que c'est entièrement suffisant. Donc là, on va mettre. Hop, 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 hop. On va mettre quelques magasins, ce qu'ils en demandent. Genre ici et ici. On va remettre peut-être. C'est que ça a brûlé, donc ça on peut démolir. Voilà. Et là on va juste mettre bah, tout le reste. Faut vraiment mettre, ça c'est important, faut vraiment mettre les entreprises usines à l'extérieur de la ville, ça c'est vraiment important. Donc là-bas, ah oui, il faut de l'eau. C'est pour ça qu'après ce jeu est assez compliqué. C'est parce qu'il faut vraiment avoir la. Il n'y a pas assez de sous? Bah si. Voilà. Donc ensuite, l'électricité, c'est pas suffisant? Après, ce qu'on peut faire. Ils disent que c'est pas suffisant. Attendez, est-ce qu'il y a des petits problèmes? Non, je vais juste faire ça. Ah, il n'y a pas d'électricité qui tourne, ok. Bah écoute, on va mettre une petite éolienne. Alors, ça compte, ça fait du bruit, ouais, donc on va peut-être pas faire de bruit. On va peut-être pas les emmerder avec ça. Donc, hop. 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 On verra par la suite ce que ça donne en termes de ça. Donc, ce que ça donne à leur niveau électricité, va falloir les booster. Alors là, pour l'instant, pour encore se permettre de booster l'électricité, faut pas que ça dépasse 100%, comme je vous ai dit. Les eaux, ce que ça donne. Ah, ça commence à être un peu chaud au niveau de l'eau. On va remettre peut-être de l'eau au niveau des entreprises. Voilà. C'est là qu'on voit que c'est un vrai merdier. Donc. Ici, donc là-bas, je sais pas ce qu'il y a, je crois, à faire. Certainement encore des maisons. Par contre, pourquoi par carré, par carré? Pourquoi carré par carré là, je sais pas pourquoi, mais. Et bon. Soit. On avance plus vite parce que ça n'a aucun intérêt à pas avancer vite. Donc. Donc là, ça avance, ça avance. Ils redemandent encore des entreprises, mais il y en a plein là. Ils ont pas d'eau. Oh, mais il est sérieux lui. Il a pas d'eau, c'est tout pile. L'eau, on va l'augmenter, on va aller jusque 100% aussi. Et après, on va commencer à tout racheter. Donc là, vous voyez, là, je suis à 33 000. Donc là, je suis bien. Ouais, les bus, c'est pas trop important pour l'instant. Donc, on va voir. Donc là, niveau santé, on est bon. Service nucléaire, voilà. Bonheur, ouais, ils sont plus ou moins contents. La légende, ok, c'est plutôt calme. Bon, ça va. Là c'est élevé, ok. Donc là sécurité incendie très très élevé. Donc on va commencer à mettre des, on va mettre des pompiers, des casernes. Surtout une là parce que là ça flambe beaucoup.
Niveau criminalité, ça va, c'est pas trop ça. La population, ok. Et le corps du chômage ou pas? 4% de chômage, donc ça va. Pour une ville, c'est pas trop mort. Valeur foncière, ouais, c'est pas encore des trucs trop chers. Les ressources naturelles, il y a encore beaucoup. Les quartiers, il n'y en a pas. Les loisirs, il y en a deux et ça fonctionne. J'ai eu un succès, je sais pas ce que c'est. À consulter tous les. Je savais même pas que c'était ça. Et puis voilà, donc connexion sortante quand ça fait du bruit. Donc là, on va mettre tout de suite un truc de pompier. On va essayer de se débrouiller pour le mettre en plein milieu quand même. Quand je perds des entreprises si je fais ça. Ça qui est chiant, c'est que voilà, c'est qu'on arrive à un problème. C'est que. On va le mettre là, tant pis. Donc la caserne de pompiers, et on va leur en mettre un. Histoire qu'on se soit bien protégé réellement. Parce qu'en fait, il faut mettre beaucoup de casernes de pompiers en fait. Va essayer de le mettre bien. Ah, d'accord, faudrait le détruire quoi que coûte. Qu'est-ce que je gagne? Je gagne pas mal hein, quand même. Attends, qu'est-ce que je gagne? Ouais, je gagne pas grand-chose. Voilà, hop. Voilà, donc là on tourne. Ah, ils ont débrûlé, ok. Bon, il a brûlé quand même, mais bon. Quand même le détruire. Donc là, ouais, là, par contre, il va falloir mettre, commencer aussi à mettre les. Alors, comment on fait pour monter? C'est comme ça. Il va falloir commencer à mettre aussi les trucs de poubelle, parce que je pense que ça commence à être un peu. Voilà. Être un peu le bordel. Bon, l'eau devient pas rouge encore, mais bon. On voit quand même que les eaux usées sont là. Donc là, ça a brûlé. Ok, donc là, on peut continuer. On va mettre une décharge. Oula, on va remettre une décharge. Ça va être réellement important ici. Il va falloir remettre une décharge, je sais. On va la mettre là, écoute. Elle est bien, là, la décharge. Voilà. Sinon on est bien alors, on est vraiment bien, ils demandent encore des entreprises, bon, ça c'est un peu normal, ils en demandent tout le temps. Si ça passe vraiment pas, hein. Je crois qu'on pouvait même les transférer de bâtiment, non c'est bon. Non, non, non. Ah ok, on peut l'éteindre, c'est vrai. Donc, bah là écoutez, là on gagne notre. On gagne de l'argent. Là, il va. Ah ouais, mais là, il commence vraiment. Et où est la deuxième, le deuxième abandon là? Enfin, le deuxième bâtiment cramé, là, il est où? Il est là. Je t'ai vu. Tu es où? C'est le bordel, hein, par contre. C'est là. J'ai eu du mal à trouver, hein. Donc voilà à peu près. Oula. À peu près ce que ça donne. Pour l'instant. On gagne notre argent, on ramène des gens. C'est parfait. On va devoir refaire un troisième machin. Donc là, je pense qu'il va commencer à acheter. Alors attends, parce que je vois rien. On n'a pas de pétrole, on n'a pas de mine. Par contre, on a de l'agriculture et du forestier. 3000. Voilà, on a acheté l'extension. Donc tout de suite, on l'a acheté. Parce que là, il faut vraiment avoir de l'extension rapide. Et sans ça, bah, ça va être assez compliqué. Donc là, on va acheter une route. Et sur là, il y a. Donc, hop.
pas pourquoi ça fait carré par carré. Je sais pas pourquoi. Alors on est en train de faire ça. Donc. Donc pardon, des fois si je parle pas c'est un peu normal hein. Donc bâtiment abandonné, des fois on va en arriver là parce qu'on a des bâtiments assez abandonnés quand même, donc faut juste détruire tout simplement. Donc là au niveau de l'électricité on est bon largement, au niveau de l'eau on commence plus à être trop bon. Donc voilà, donc là j'essaie juste de gagner de l'eau, de l'argent pour juste mettre les courants d'eau. Alors faut savoir que l'eau par contre ça va être vraiment dur, va falloir refaire des. Racheter des trucs. Parce que je pense que. Voilà, vous voyez un peu ce que ça donne au niveau du truc de l'eau. Donc là on va juste en mettre un. Et ça, voilà. Et là on va juste relier entre ça. Attends, je vais juste déplacer ça. Hop. Déplacer. On va le déplacer là. Et voilà. Donc là, normalement, se remet en route normalement. Les eaux usées, normalement, c'est bon. Voilà. On est tout bon. Donc là, pour les eaux usées, c'est bon. Donc là, on va juste développer ça là. Là, on n'a pas assez d'argent pour l'instant. Donc pour l'instant, on va juste faire ça.
Donc là, par contre, on va commencer à perdre de l'argent. C'est-à-dire que là, par exemple, là, normalement, l'électricité, l'eau peut la descendre large. L'électricité, on peut commencer à la descendre. L'électricité, non, faut pas la descendre. Peut-être pas descendre l'électricité. 15%. Ah, là, c'est un peu mieux. Bah, oh, ils ont pas là. Pourquoi ils ont pas, oh? Ah oui, c'est pas relié directement. Alors attends, hop. Pour l'instant, l'eau c'est bon. 1002. Je fais d'abord ça. Voilà. En gros, j'ai fait aussi une ressource forestière là-bas. Que j'estime que c'est ce qu'il faut. Donc là, niveau argent, on en regagne. Par contre, on perd de l'électricité. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas assez d'électricité. Ce qui m'étonne. Bah, du coup, on va peut-être mettre un poteau, genre. Comme ça, quoi. Là, tu récupères de l'électricité. Je vais refaire comme ça. Ah, c'est vraiment la crise au niveau électricité. Donc là, on va mettre la solution anti-crise qui est une éolienne. Voilà, on est sûr qu'il n'y ait pas de problème électrique. Donc, ensuite, au niveau des écoles, d'accord. Donc, les écoles, il va falloir commencer à mettre en place. Surtout dans les nouvelles résidences, ici et nouvelles résidences. Donc ça, dès qu'on aura l'argent, donc ça c'est 24 000. Voilà, donc on a atteint 5 000 de population. Donc là, normalement, on peut déjà créer la fameuse école. Donc ça, c'est bon. Alors, attendez. Police, on n'a pas trop tellement de taux, donc ça je peux pas. De toute façon, je mets pas trop. Santé, ouais, ça va. Je parle pas forcément du cimetière, je parle de ça. Que c'est bon pour l'instant. Ça, c'est un hôpital. Ça sera vraiment pour la suite. Niveau des feux, les feux c'est assez élevé quand même. Donc, les feux, ça on va mettre là-bas. Par contre, je trouve que. Les pompiers, c'est très peu. Il y a très peu de trucs en fait. Ça, c'est assez décevant. Jardin japonais. Ça coûte pas cher pour ce que c'est quand même. Un court de tennis. Faut mettre une route pour y aller. Genre, ici. Genre, et on vous coupe de tout. Est-ce que l'électricité est toujours valide? Non. De l'électricité. Voilà, simplement. Donc là, notre cours de tennis, il va là. Voilà. Là, on va mettre vraiment les trucs assez intéressants. Après, les parcs, ça vient par la suite. Hein. C'est pour les merveilles du monde, ça, l'Underlay. Voilà. Pour l'instant, bah, écoutez, ça se déroule pas mal. Quelle heure? 18h16, c'est bientôt la fin. Ah, vous avez un son depuis tout à l'heure, je suppose. Ah, non, ça va, le micro. Non, c'est pas normal. Qu'est-ce qui est pas normal? Voilà, c'est bon. Qu'est-ce qui est pas normal? Ok, ça met les clés sous la porte là-bas, mais bon, j'y peux rien. Nouvelle parcelle est disponible à l'achat, sauf que ça m'intéresse pas pour l'instant. Donc on gagne des habitants, on gagne de l'argent.
Bon, ça me convient pour l'instant. On va les détruire. Ben, ce qui... Tous les trucs un peu abandonnés. Alors ça, c'est normal, hein. C'est typiquement normal. Le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'habitants et qu'il y ait des problèmes de... Mais ça, c'est tout à fait normal. On va peut-être acheter ça. Histoire qu'on ait un troisième. Histoire que ben on soit pas emmerdé par ça. En termes d'électricité, on est bien. En termes d'eau, on est moins bien. Mais bon. Ça va. Mais... De toute façon, j'ai pas tout à 100%. Donc forcément... Bon voilà, on va peut-être mettre un peu plus là-dedans, un peu plus dans le même truc, plus dans les parcs, un peu plus dans la police, un petit peu plus. Faut commencer à se permettre. Après, on va commencer à faire les bus avant la fin. On commence à faire les bus, ça va être bien. Et voilà, et après on en terminera pour aujourd'hui. C'est ça? Voilà, c'est ça. Donc là, au niveau politique de la ville, on peut en jeter plein. Alors. Politique de la ville, on peut mettre recyclage. On va quand même mettre le recyclage, utilisation ludique. Voilà, donc là, on va plutôt mettre ça. Voilà, pour l'instant, juste le recyclage. C'est vraiment important le recyclage. Quand ça nous coûtait de l'argent, je crois quand même. On va voir ça. Voilà, ça commence à nous coûter quand même un minimum d'argent. C'est tout à fait normal. Et encore, on se passe pas flashy quand même. Ah, les camions poubelles ne bossent plus. En électricité, ça commence à être un peu la galère, j'ai l'impression. Ça pue la route, ce... Attendez, on va mettre 2-3% de plus, ça devrait être bon. Voilà. Donc les camions... Ah oui, par contre, oui, il faut de l'électricité pour ça. Attendez, pour ça, faut de l'électricité. Voilà. Pour ceux qui veulent. Il n'y aura pas de problème. Les parcs. Vos habitants sont malheureux. Attendez, il y a plein de parcs. Voilà, hop. On va être content. On va mettre plein de parcs partout. Ils seront contents. Voilà, on pourrait pas être moins, pas plus content que ça, hein. Voilà. Donc. Mais il y a des pompiers sur place, hein. J'y peux rien. Peut-être monter un peu plus pour aller plus vite. Voilà, hop. Faut vraiment supprimer ces bâtiments brûlés, etc. Même abandonnés, etc. Les déchets s'accumulent. Bah ouais, mais... Je vais en mettre un là-bas. Voilà. S'il faut, j'en mets un là. Voilà. Écoutez, je pense qu'on va en rester ici pour ça. Ouais, je pense qu'on va en rester ici pour ça. J'espère que ça vous aura plu. Je vais sauvegarder devant vous aussi. Hein. J'attends juste de voir. Ah, il y a la criminalité. Donc là, on va mettre les flics. La police. C'est bien ça. Hein. Le secret de police, ça c'est quoi? Les quartiers généraux. Ok. Donc là, on va mettre la police. On va les mettre. Est-ce qu'on peut les mettre là? Faudrait détruire un truc. On va les mettre là. Et là. Voilà. Au moins, tout le monde est content. Et puis voilà. Bah écoutez,
Moi, je vais vous laisser. Alors, mettre sur pause pour faire un petit récapitulatif. Donc, niveau électricité, on est moyen, mais ça va, tout tourne. Niveau des eaux, on est un peu chaud, mais bon, on va essayer quand même de racheter une parcelle où il y a de l'eau pour s'occuper de ça par la suite. Pour s'occuper de l'eau. Tout ce qui est les déchets, bah, pour l'instant, il paraît que ça va. L'éducation, on est moyen, ça va. L'université, pour l'instant, on peut pas en acheter. À cause du contraire, on peut pas encore en acheter. Il faut avoir 7500 pour en acheter. Donc, pour l'instant, c'est un peu compliqué l'université. Mais sinon, ça va plus ou moins, mais ça peut avoir mieux. Le bonheur, ça va, ils sont généralement contents. Être au boulot, en industrie ou en résidentiel, ça va. Santé, on a encore beaucoup de problèmes de santé. Niveau des funérailles, encore 4 décès qu'on doit faire, donc c'est un peu compliqué, mais bon, ça passe pour l'instant. Les niveaux, on a beaucoup de niveaux industriels et résidentiels, ça c'est normal. Le vent, un truc de vent, donc voilà. Le trafic, bon, ça a un peu bloqué certains endroits, mais c'est un peu normal. La pollution, bah, c'est les. Voilà. L'eau. Par contre, du coup, ouais, on pourra pas stocker de l'eau de là, parce que c'est un peu pollué. Niveau du bruit, bon voilà, normal. Niveau de la sécurité incendie, donc c'est à peu près sécurisé, même s'il faut y encore du boulot. Criminalité, on est à 12%, donc ça va, c'est pas encore trop, mais ça va. Les bus, on fait ça la prochaine fois. Prochaine fois, promis. Attendez, vous avez un bug. Promis, la prochaine fois, on fait les bus. Je sais pas si vous avez entendu tout ce que j'ai dit, mais bon, c'est pas grave. Donc, je dis l'électricité, ça va. En général, tout va bien, sauf peut-être le son et l'incendie. Donc, les transports, on met la semaine prochaine. La population, on voit qu'il y a beaucoup d'adultes. Il y a 2% de chômage, donc ça, c'est vraiment assez cool. Collection sortante, on a beaucoup d'imports. Export, valeur foncière, bon, pour l'instant, c'est pas des trucs assez chers, mais bon, ça va. Les ressources, on a encore beaucoup de ressources. C'est une map où il y a beaucoup de ressources, et là on a vraiment des ressources forestières, donc ça va être vraiment être bien. On n'a pas beaucoup de ressources de pétrole sur cette carte. C'est pas une, c'est une map, c'est plutôt là, c'est pas une carte à pétrole. Là, ça c'est les quartiers, on a juste un quartier pour l'instant. Spécialisation forestière, les politiques de recyclage. Donc voilà, donc on a juste dans les zones résidentielles uniquement. Et les loisirs, on en a pas mal pour l'instant. Et donc voilà. Ça va bosser aussi. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Donc là, je vais faire sauvegarder la partie. Je vais mettre Vexing Stream. Oh, stream. Sauvegarder. J'utilise le Steam Cloud aussi. Voilà. Donc là, c'est sauvegardé. On va aller vérifier quand même. Sauvegarder. Et on va enlever le Steam Cloud. En fait, je vais en mettre deux. J'en ai toujours deux, comme ça, si le Steam Cloud bug, bah, on en a toujours un. Et donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Parce que moi, ça m'a vraiment plu. Statistique de la ville. Peut-être avant. On n'a pas encore de zone de bureau. Est-ce qu'on a les bureaux? Non, c'est 7500, je crois, les bureaux. Hein. C'est où les bureaux? C'est là. Hein. Ouais, à partir de 7500, on pourra faire des zones de bureau. Pour l'instant, on peut pas trop. On a un taux de natalité assez bien, mais mortalité, on n'en a pas beaucoup. La trésorerie. Alors, peut-être changer ça, voilà. Donc, ça va, on a un beau taux de natalité, ça va. Pourcentage d'emploi, on en a beaucoup, donc ça, c'est assez bien. Les touristes, on n'en a pas beaucoup. Pour l'instant, on en a zéro. Et les recettes fiscales, ben, on en a zéro. Le bonheur, ça va, ils en ont pas mal, 72% de bonheur, donc ça va. Le budget de la ville, on est assez haut quand même en termes de budget. Et en trésorerie, on a un peu plus de budget que de trésorerie, donc ça va, tant que c'est bon. Et la valeur de la ville, par contre, ne doit pas être beaucoup. Ah ouais, quand même, si, ça va. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, ben, pour la VOD, un petit pouce roux, un petit pouce vert, pardon. Éventuellement, désolé pour les problèmes de casque. Je vais essayer de régler ça au plus vite. Je vais essayer de changer de casque. Éventuellement, qu'on m'en prête un en attendant que j'en achète un. C'est vrai que c'est limite impossible à la stream. Ça devient à peu près chiant. Mais bon, voilà, je vais essayer d'arranger ça. Donc vraiment désolé pour ces bruits. Et donc on se retrouve la semaine prochaine pour un deuxième épisode et pour la suite de si sur Cities Skyline. Voilà. Allez, je vous souhaite bonne journée à vous ou bonne soirée pour la VOD et puis je vous dis à bientôt. Allez, salut tout le monde.
Je vais juste mettre le petit compteur. J'ai oublié juste un petit truc vite fait. Donc je vais meubler pour l'instant. Non, pas du tout. Ah, ça lag un peu. C'est le jeu qui lag. Hop. Et hop. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis bah écoutez, moi je vous dis à la pro à la prochaine. J'attends de voir si c'est bon. C'est un petit logiciel, mais que voilà, c'est bon. Écoutez, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.